Eh bien, Seigneur, on veut te remercier pour le temps que nous avons passé ce matin. Quelle louange nous avons eue ce matin qui nous a permis de monter devant toi, Seigneur. Et ce repas du Seigneur qui nous rappelle l'alliance que tu as faite, là, plus de 2000 ans maintenant, Seigneur, avec nous, avec Jésus-Christ, par ton Fils. Et maintenant, Seigneur, nous avons l'opportunité encore une fois ce matin de marcher sur les mêmes traces que nos apôtres en lisant la parole qu'ils ont laissée derrière eux. Donne-nous la sagesse et le discernement de reconnaître la bénédiction que nous avons en Jésus-Christ. Et ce matin, Seigneur, permets-nous de faire un pas de plus dans la compréhension de ta parole pour que nous puissions l'appliquer à nos vies personnelles. Nous glorifions ton nom ce matin. Seigneur, tu es l'être, la personne, la valeur la plus importante de tout l'univers. Et je suis vraiment désolé, Seigneur, que tout l'univers ne le sache pas. Alors, dans ce que nous allons apprendre ce matin, Seigneur, viens nous montrer à quel point nous avons été privilégiés de connaître la puissance de Dieu en esprit. Bénis cette parole que nous allons apporter. Amen. Si vous avez votre Bible, je vous encourage à tourner dans 1 Corinthiens, le chapitre 2. 1 Corinthiens, le chapitre 2. Avez-vous appris depuis que vous êtes chrétien que Dieu agit souvent de manière les plus étranges? Avez-vous déjà été surpris par sa manière d'agir? Nous avons tous des idées ou des croyances sur comment Dieu est supposé agir. Et pourtant, notre Dieu utilise parfois des moyens les plus déroutants pour produire en nous ce qu'il désire produire. Et de plus, de manière complètement imprévisible où tu t'y attends pas. Puis, la chose que je réalise maintenant, c'est que dans chacune des expériences déroutantes, inattendues, invraisemblables que Dieu nous amène à vivre, rarement pendant l'expérience, mais la plupart du temps après l'expérience, nous découvrons la personne de Dieu, nous découvrons la pensée de Dieu, la vision de Dieu, comme jamais il nous avait été donné de la découvrir dans des circonstances normales. Et pourtant, chacune de ces expériences nous a emmenés à découvrir à quel point notre Dieu il est supérieur. Et c'est ce que je demande ce matin, c'est que Dieu puisse nous emmener à réaliser le texte que nous allons voir parce qu'il détient, dans un certain sens, une vérité tellement importante pour nos vies. Vous savez, les Corinthiens, comme on l'a vu depuis quelques semaines, étaient pris dans un cercle vicieux. Ils avaient essayé de se définir par les moyens et la sagesse du monde. Et ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul, dans toute son argumentation ici, veut emmener les Corinthiens à réaliser que leurs standards sont contradictoires avec les standards de Dieu manifestés dans la personne et la croix du Seigneur Jésus-Christ. Et que si tu utilises d'une part les standards du monde pour essayer de définir ce qui se passe dans le royaume de Dieu, tu vas finir par te tirer dans le pied. Parce qu'en bout de ligne, lorsque tu évalues par les standards du monde les choses de Dieu, tu finis toujours par rejeter les choses
de Dieu. Et c'est tellement important de saisir ça. Il n'y a personne avec la sagesse du monde qui peut découvrir la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu, on va le voir, Dieu voulant, dans les prochaines semaines, la sagesse de Dieu se révèle que par la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et tant qu'on n'entre pas dans cette mort et qu'on ne meurt pas avec Jésus-Christ, dans un certain sens, il nous est impossible de découvrir la sagesse de Dieu. Alors, permettez-moi juste de refaire l'argument du texte qu'on a vu à venir jusqu'ici, puisque nous allons entrer par ce médium à l'intérieur du texte qu'on veut regarder, c'est-à-dire le chapitre 2, du verset 1 à 5. La thèse de l'apôtre Paul, c'est ceci. Au verset 18 du chapitre 1, il dit « Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. » Et c'est pour ça qu'il va dire un petit peu plus loin, « Où est le sage? » Dieu a déjà prouvé que la sagesse de ce monde est folie. Mais le monde a déjà prouvé dans sa sagesse qu'il considère la croix de Jésus-Christ comme une folie. Puis il va dire, les deux grandes religions du monde, les Juifs cherchent des miracles. Pourquoi? Parce qu'ils ont une certaine conception d'un Dieu qui ne peut pas se manifester par la faiblesse. Et les Grecs ont tellement élevé la raison, la philosophie, qu'ils sont rendus à un point où, écoutez, un Dieu qui se laisse crucifier entre vous et moi, ce n'est pas vraiment un Dieu-Dieu. Hein? Si ton Dieu peut se laisser avoir par des petites créatures, il n'est pas au niveau, il est pas du tout au niveau de Zeus. En d'autres mots, pour les Grecs, un Dieu crucifié, ça ne fait pas de sens. Et là, Dieu nous dit, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et là, l'apôtre Paul leur dit ceci, « Regardez parmi vous, et regardez s'il y a beaucoup de sages selon ce monde. » Regardez parmi vous s'il y a beaucoup de puissants selon le monde. Regardez parmi vous s'il y a beaucoup de nobles selon ce monde. Le Seigneur n'est pas en train de dire que c'est impossible pour un riche ou un puissant ou un intelligent de se convertir. Mais regarde le nombre qu'il y a dans l'Église de Dieu. Et tu vas voir que la grande majorité des gens vient des milieux plus démunis que ces gens-là. Et c'est pourquoi il leur dit ensuite, au verset 26, 27, 28, « Mais Dieu a choisi les choses viles de ce monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie. » Alors, Dieu est en train de dire, excusez, Dieu est en train de dire aux Corinthiens, vous faites partie de la gang, des faibles, de ceux qu'on méprise, de ceux qui sont rien. Et regardez la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu n'est pas aller chercher les nobles, les riches, les puissants. La sagesse de Dieu s'est abaissée et par la croix, il est allé chercher ceux que la sagesse de ce monde méprise, rejette. Vous faites partie de ceux que la sagesse du monde ne veulent rien savoir. Et vous voulez adopter les standards du monde pour devenir comme eux qui ne veulent rien savoir de vous? Êtes-vous fous? Parce que c'est ça qu'il va leur dire dans le troisième chapitre. Si quelqu'un pense être sage selon le monde, ben qu'il devienne fou! Voyez-vous ici, comment Dieu, il est déroutant. Si Dieu avait voulu se montrer dans toute sa gloire, pensez-vous que ça aurait été difficile pour lui? Mais pourtant, il a choisi une voie que ni les Juifs, et pourtant les Juifs étaient le peuple de Dieu. Oh!
Il a choisi une voie que ni les Juifs et ni les Grecs ne peuvent emprunter dans leur sagesse. Et pourtant, tout le plan de Dieu s'est réalisé par les Juifs. Et rendu à Christ, les Juifs ont pu être capables de voir le Messie. En plus, ils l'ont trouvé politiquement tellement dérangeant qu'ils l'ont mis sur la croix. Et en le mettant sur la croix, ils réalisaient le plan de Dieu. Va donc voir. Cherche donc à comprendre. Ça part d'Abraham, puis ça descend jusqu'à la crucifixion. Puis tout le long, ces gens-là n'ont rien vu. Le Messie descend parmi eux. D'ailleurs, c'est écrit littéralement dans l'Évangile de Jean. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Va donc comprendre une affaire de même. Et de cette crucifixion est sorti le salut pour tous les pauvres en esprit, pour toutes les nations. Inconcevable quand on s'arrête à réfléchir d'une manière aussi déroutante que le salut de Dieu aurait pu arriver de cette manière-là. Le roi des rois qui arrive dans une petite crèche réchauffée par un petit âne et un petit mouton, au lieu d'arriver dans l'or et dans les pierres précieuses. C'est déroutant lorsque tu te mets à réfléchir sur ça. Mais il y a d'autres choses qui sont aussi déroutantes. Regardez bien le texte qu'on a devant nous ce matin, parce que c'est dans la même lignée de pensée que l'apôtre Paul continue. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage ou le mystère de Dieu, dépendamment de la traduction, car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Dans ce texte, l'apôtre Paul met une emphase particulière sur le « je ». Regardez bien, je vais relire le texte pour que vous puissiez catcher le punch. Ça, c'est pas du bon français, hein? Catcher le punch. Le bon français, ça serait « saisir le point ». Mais catcher le punch, c'est meilleur. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage, de sagesse, que je suis allé vous annoncer l'Évangile. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration, blablabla, blablabla. L'apôtre Paul est en train de parler de lui, ici, dans le texte. Et il met l'emphase sur sa propre personne. Et il y a une raison tout à fait importante, ici, qu'il faut saisir. Si je comprends bien l'apôtre Paul, dans ce texte, est en train de décrire qui il est et dans quelles conditions il s'est trouvé lorsqu'il est arrivé chez les Corinthiens. Pour avoir une bonne image, il nous faudrait lire le chapitre 18 du livre des Actes pour savoir que quand l'apôtre Paul est arrivé chez les Corinthiens, il avait déjà mangé tout un paquet de misère puis est arrivé chez les Corinthiens dans un état de tremblement, de crainte. Voyez-vous, il est important de comprendre que l'apôtre Paul affirme la même chose que ce qu'il vient de dire auparavant. Si la croix est une folie pour le monde, elle est donc une faiblesse de Dieu pour eux. Pourtant, cette faiblesse est la puissance et la sagesse de Dieu. C'est un évangile de faiblesse
dans un certain sens, que l'apôtre Paul prêche un évangile de faiblesse. Verset 27, « Dieu a choisi les choses folles de ce monde, comme on a lu, afin que personne ne se glorifie. » Et l'apôtre Paul annonce aux Corinthiens, il dit, « Voici, je suis arrivé parmi vous dans une condition de faiblesse. » L'apôtre Paul est en train de se décrire lui-même, c'est-à-dire que sa prédication, lorsque Paul est arrivé, sa prédication ne reposait pas sur tous les artifices, comme on dit, de la sagesse du monde. Il est arrivé là, il nous est dit, tout tremblant, dans la crainte, et il ne se sentait pas bien dans sa peau. Si vous aviez à décrire l'apôtre Paul, comment le décririez-vous? Est-ce que l'apôtre Paul, c'est un personnage charismatique? Pensez bien à ce que je veux dire par le mot charismatique au sens d'aujourd'hui. Est-ce que l'apôtre Paul est un bénien? C'est-tu un gars qui va faire tourner sa tunique et l'acheter sur le monde? Peut-être que ça ne se faisait pas dans ce temps-là. Mais est-ce que l'apôtre Paul avait une personnalité exubérante? Laissez-moi vous dire que ce que je lis de Paul, ce n'était pas un gars facile. C'était un gars qui voulait les choses comme il les voulait. Il s'est même chicané avec son plus grand chum, Barnabas, puis il ne voulait plus rien savoir de Marc pour l'emmener. Il ne donnait pas de chance à Marc pour le reprendre. Si je décrirais l'apôtre Paul, il était un homme... Selon nos caractéristiques modernes, Paul était un colérique, non pas un sanguin, c'est-à-dire que ses relations avec les autres étaient difficiles. C'était un gars qui était toujours mêlé aux problèmes. Partout où il a passé, il y a eu des troubles. Il était très stratégique, très intellectuel, très intelligent, très réservé dans ses émotions. Il n'était pas un personnage charismatique qui saute à droite et à gauche. Il aimait énormément raisonner sa foi. De plus, sur le plan social, pauvre Paul, il n'était pas grand-chose dans ce monde. Il était un juif de la petite tribu d'Israël, de la plus petite tribu. Il était un chrétien, donc rejeté par les juifs. Et puis, il était un évangéliste. Vous savez ce que ça veut dire, un évangéliste, dans ce temps-là? Pas d'argent. Les télévangélistes n'existaient pas dans ce temps-là. Ce n'est pas le genre de personne qui recevait des millions de dollars. Les évangélistes de ce temps-là implantaient des églises. Et ce qu'ils avaient, c'était tout ce qui vient avec l'implantation d'une église. La persécution. Paul avait été battu, avait été rejeté. On l'avait laissé comme pour mort à une place. Il avait été fouetté, il a été mis en prison. Ça, c'était l'évangéliste apostolique, là. C'était dans ce temps-là. Paul n'était pas non plus un grand prédicateur. Il semble, quand on lit ce qu'il a écrit, qu'il avait de la misère au niveau de rendre sa pensée verbale aux gens. Il n'était pas parmi les plus éloquents. Alors, laissez-moi vous dire que quand il est arrivé chez les Grecs corinthiens, qui eux autres se pétaient les bretelles avec la sagesse du monde, quand Paul est arrivé, ce n'était pas un homme qui était très, très, très attirant. Même s'il avait une grande et profonde connaissance de la parole de Dieu. L'apôtre Paul établit ainsi, en donnant cette image, parce qu'on aurait pu passer à travers les deux lettres aux Corinthiens, et de voir comment les Corinthiens résistaient à Paul, parce que Paul n'était pas le type de gars à booster leur ego. Juste d'être avec Paul, c'était pas le fun. Je ne sais même pas si Paul aurait été mon chum. Puis pourtant, j'ai passé des années à l'étudier. C'est un grand penseur chrétien. L'apôtre Paul veut établir une correspondance entre lui et ce qui vient d'être dit. Si la sagesse de ce monde regarde la croix comme une folie, une faiblesse, et que vous, les Corinthiens, vous êtes la preuve que cette faiblesse-là est la puissance et la sagesse de Dieu, regardez qui moi je suis. Je suis arrivé parmi vous en grand tremblement, stressé, comme on pourrait dire aujourd'hui, dans un état de grande faiblesse. Pourquoi est-ce qu'il parle de faiblesse? Pourquoi est-ce qu'il parle de faiblesse? Voyez-vous, quelque part dans la pensée de l'apôtre Paul,
Paul a appris l'une des vérités, selon moi, les plus profondes qu'on puisse apprendre pour des chrétiens qui sont encore ce côté ici de la mort. Ce côté ici de la mort. Paul a appris quelque chose. Et je vais vous lire le texte que vous connaissez déjà. Mais c'est un texte qui s'applique ici. Ma grâce te suffit. Et voici la grande vérité. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Si on pouvait partir un monastère, puis une nouvelle lignée évangélique de moines et de moinettes, on fonderait le monastère sur cette vérité-là. Pour la simple raison que découvrir notre faiblesse, c'est se donner l'opportunité d'expérimenter la puissance de Dieu. Saisissez ce que ce texte est en train de dire. Et si vous regardez dans l'histoire moderne du christianisme, qu'est-ce qu'on fait avec la faiblesse? Qu'est-ce qu'on fait avec la faiblesse? On la répudie. On la nie. Puis laissez-moi vous dire, ça ne marche jamais. Les faits sont les faits. Nous sommes tous des faibles. Même les plus forts de parmi nous sont mieux de ne pas dire qu'ils sont forts. Parce que ça ne prend pas longtemps qu'on découvre les faiblesses. Puis quand je parle de faiblesse ici, je ne suis pas en train de parler nécessairement de défaut. Il y a une différence entre une faiblesse et un défaut. Une faiblesse, ce n'est pas un péché. Un défaut, c'est toujours péché. Comprenez ce qu'on est en train de dire. Un défaut de caractère, c'est quelqu'un qui ne veut pas se soumettre à Jésus-Christ. C'est un entêté. Non. Change le mot entêté par orgueilleux, puis tu vas avoir la véritable image de ce qu'on veut dire. Mais ce n'est pas une faiblesse, ça. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui sont capables de faire des miracles? Levez-vous debout. On a une rangée de personnes qui ont besoin d'être guéries. Moi, je n'ai pas cette puissance-là. Je suis dans la faiblesse. Mais est-ce que Dieu peut m'utiliser dans ma faiblesse pour performer un miracle? Oui. Entre vous et moi, quels sont ceux qui ont la foi jusqu'à déplacer des montagnes ici ce matin? J'ai justement un tas de branches à tasser chez nous en dessous de la neige. Puis si jamais vous avez assez de foi pour au moins un tas de branches, je vous invite à dîner. L'idée, c'est ce que Dieu peut se servir de ma faible foi pour tasser des montagnes? Définitivement. Définitivement. Voyez-vous, l'apôtre Paul avait compris quelque chose. La puissance de la prédication ne réside pas dans le prédicateur. Ce n'est pas le prédicateur qui fait la différence. C'est Dieu dans la faiblesse de ce prédicateur-là qui fait toute la différence. Qui fait toute la différence. Les Corinthiens, malheureusement, s'opposaient à Paul, résistaient à Paul, parce que Paul était analysé à partir d'une paire de lunettes où les standards n'étaient pas conformes à ceux de Dieu. Et l'apôtre Paul veut démontrer sa faiblesse pour quelque chose de tout à fait précis. Il va dire un petit peu plus loin, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » D'esprit et de puissance. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire par les discours persuasifs de la sagesse? Est-ce que vous savez ce que c'est que la rhétorique? La rhétorique. La rhétorique, c'est l'art du discours. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des procédés et des techniques permettant de s'exprimer avec éloquence dans le but de convaincre ou de persuader quelqu'un. J'ai utilisé un mécanisme rhétorique tout à l'heure durant le repas du Seigneur. On ne peut même pas vivre à deux, puis pas pécher. Puis là, après ça, je vous ai dit,
Il y en a un des deux qui pêche plus que l'autre. Et vous êtes toutes mis à rire. Fait que là, j'ai utilisé un moyen rhétorique pour détendre l'assemblée, pour qu'elle puisse mieux recevoir la vérité. Talala. C'est ça la rhétorique. C'est savoir utiliser le langage de manière à convaincre et à persuader. Qu'un argument chez les Grecs, dans la rhétorique, qu'un argument soit vrai ou faux, là n'était pas la question. Avez-vous déjà entendu l'expression « vendre des friches d'air aux Esquimaux » Avez-vous déjà rencontré un gars ou une femme qui est capable de vendre des friches d'air aux Esquimaux? Quand vous rencontrez une telle personne, qu'est-ce que vous pensez de cette personne-là? Moi, la première chose que je pense, c'est menteur. C'est la première chose qui me vient. Si tu es capable de me vendre un char, pas de moteur, c'est que tu es un très bon menteur. Si tu arrives à me faire signer, tu es presque Dieu. Cet art était recherché chez les Grecs. La rhétorique était pratiquée en dépit de la vérité. Et les rhéteurs, ceux qui faisaient la rhétorique, on les appelait les rhéteurs, impressionnaient tellement les gens qu'on leur avait donné un nom tout à fait spécifique qu'on appelle les sophistes. Les sophistes, c'était des gens qui pratiquaient l'art du faux raisonnement. C'était un beau mot pour dire c'était des menteurs professionnels. Certains auraient dit des avocats. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et le but, c'était... Alors, pouvez-vous imaginer, quand l'apôtre Paul est en train de dire « Je ne suis pas arrivé avec des discours persuasifs de la sagesse », il est en train de leur dire ceci. « Je ne me suis pas servi de l'art du langage pour vous convaincre. Je n'ai pas utilisé des belles paroles pour vous faire accroire ce que vous croyez. » Laissez-moi vous donner un exemple de ce que je veux dire par un rhéteur évangélique. Un prédicateur arrive à l'église et vous dit « Dieu s'est personnellement engagé de vous bénir financièrement seulement si vous donnez. Vous recevrez au centuple, c'est une promesse biblique. De plus, il vous dit « J'ai eu une vision dans laquelle le Seigneur lui montrait que chaque dollar donné se transformait en lingot d'or pour l'évangélisation. » Donne-moi le nom de la banque. Ensuite, il vous montre un texte des Écritures qui dit « Dieu donnera à celui qui donne » et appuyant ce texte par un exemple d'une pauvre femme qui avait donné tout ce qu'elle avait pour son ministère et la semaine après, elle a gagné à la loterie un gros, gros lot. Béni soit Dieu. Et là, tout le monde répond. Bon, et là, il vient de savoir qu'il ne ramassera pas une grosse, grosse offrande ici. Il termine en disant « Donnez, car le monde perdu a besoin de votre générosité. » Voilà la parole d'un rhéteur évangélique. Si je suis les arguments, il a fait une affirmation, il a utilisé une expérience personnelle, appuyée par un texte biblique, en donnant un exemple et en finissant avec un appel aux émotions. Et voilà. Maintenant, sortez vos portefeuilles. On peut manipuler les gens par le langage. On peut manipuler les gens par toutes sortes de choses. Et l'important ici, c'est de saisir que cette notion d'utiliser le langage et de confondre la vérité avec le pouvoir langagier, l'éloquence d'une personne, c'est malheureusement encore quelque chose de présent aujourd'hui. Et l'apôtre Paul, ce qu'il est en train de leur dire, c'est « J'ai rien voulu savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ, mais plus Jésus-Christ crucifié. » Ensuite, il va dire à la fin que la prédication de l'apôtre Paul, comme il va le dire, et je vais vous le lire parce que je pense que c'est encore mieux lorsque c'est lu, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Qu'est-ce que le mot « démonstration » veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'une démonstration d'esprit
et de puissance. Saviez-vous qu'ici, en français, on n'est pas capable de le voir? Mais dans le grec, l'apôtre Paul utilise un mot tout à fait particulier qui se retrouve une seule fois dans tout le Nouveau Testament, et c'est là. On ne retrouve plus ce mot à aucune autre place dans le Nouveau Testament. Quand vous avez un mot comme ça, vous savez que ce mot-là est utilisé spécifiquement pour le contexte particulier dans lequel se trouve ce mot. Donc, l'apôtre Paul veut faire passer un point très important ici. Et c'est pourquoi j'aimerais vous dire que le mot « démonstration » n'apparaît qu'une fois ici, puis il s'agit d'un terme technique utilisé dans le domaine, watchez bien le mot, dans le domaine de la logique. Qu'est-ce que c'est dans la logique faire une démonstration? Il réfère au développement d'un argument dont la conclusion est tirée de deux prémisses. Je vais essayer de tout illustrer cela. Si je vous dis que je suis un danseur de ballet, quoi, ça paraît pas? OK. Attendez que je fasse mon sato mavrille, on m'emmènera à l'hôpital après. Si je vous dis que je suis un danseur de ballet et que je vais vous en faire une démonstration. Faire une démonstration dans ce cas serait de danser, de danser. Dans ce contexte, la démonstration que je ferais, ce serait ce qu'on appelle une démonstration visible, publique, de sorte que, par vos sens, vous pourriez accéder à cette démonstration-là. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Je ferai une exhibition. Je mettrai devant vous la possibilité ou la danse. Et là, vous verriez que lorsque j'affirme « je suis un danseur de ballet », c'est pas vrai. Mais ça serait visible. Vous seriez convaincu, j'en suis convaincu. OK? Mais si je vous dis ceci, de 5 éléments, selon la quantité, le chiffre 8 est la réponse. Oups, on n'est plus dans le domaine de la danse, pas en tout. Puis là, je vous dis 1 plus 3 plus 1 plus 2 plus 1 fait 8. De 5 éléments, selon la quantité, le chiffre 8 apparaît. Ou je pourrais vous le phraser autrement. Je pourrais vous le mettre dans un argument ABC. Voici comment je pourrais vous dire ça. Tous les chiens normaux aboient. A. Tous les chiens normaux. B. Aboient. Êtes-vous d'accord avec ça? Êtes-vous d'accord pour dire que c'est vrai? Êtes-vous certain que c'est vrai? Tous les chiens normaux aboient. Ça va? Vous avez A, vous avez B. Là, je vais faire entrer C. Fido, qui est un chien, naturellement. Là, je reprends mon A. Est un chien normal. Donc, D. Fido, C. B. Aboie. Je vous ai présenté deux prémisses. Tous les chiens normaux aboient. Fido est un chien normal. La conclusion est incontournable. Fido aboie. Si vous arrivez à démontrer que c'est faux, mon argument prend le bord. Mais ce que je viens de faire dans quelques instants, là, c'est exactement le mot qui est décrit ici. La démonstration, ce n'est pas axé sur une démonstration publique, je suis un danseur de ballet. C'est une démonstration intérieure dont il parle ici. Et c'est pourquoi les exégètes, lorsqu'ils regardent ce texte, doivent s'accrocher au contexte pour ne pas dévier du contexte. La démonstration d'esprit et de puissance, saisissez bien ce que je veux dire, parce que ça va peut-être ébranler quelques-uns, ne fait pas référence aux signes et aux prodiges dans ce contexte ici.
Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, je ne suis pas arrivé chez vous avec des miracles, des prodiges et des grands signes venant de Dieu. Ma prédication ne reposait pas sur les miracles et sur les prodiges. Réalisez-vous ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Afin que ma prédication soit efficace parmi vous, Dieu ne s'est pas servi des signes et des prodiges, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Qu'est-ce que ça veut dire, la démonstration d'esprit et de puissance? Si vous regardez bien le texte, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi... La prédication de l'apôtre Paul n'avait pas pour but d'appuyer la foi. La foi sur la sagesse du monde, mais sur une démonstration de l'Esprit de Dieu et de sa puissance, afin que la foi des chrétiens soit fondée sur Dieu, sur sa puissance. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Et je pense que la clé, elle est là. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, c'est que la conversion des Corinthiens est la démonstration de la puissance et de l'Esprit de Dieu. Ce qu'il est en train de dire, c'est « Regardez-vous, les Corinthiens, vous n'êtes pas parmi les nobles, vous n'êtes pas parmi les sages, vous êtes parmi les moins que rien. Et quelque part, dans la cour de route, je suis arrivé chez vous tout tremblant, puis expliquez-moi comment ça se fait que vous êtes convertis. J'ai aucune capacité d'éloquence. Je ne suis pas un rhéteur. Et mon discours n'a pas été fondé sur aucun mécanisme rhétorique. Je me suis approché de vous en vous prêchant simplement Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et vous vous êtes tourné vers lui. Et vous avez cru en lui, et vous vous êtes devenu une lettre vivante écrite par notre ministère. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi comment ça se fait. Et la seule chose que vous allez réaliser, c'est que votre foi est fondée sur Dieu. Et non pas sur la sagesse des hommes. Entre vous et moi, là, si Paul était arrivé chez les Corinthiens avec des signes, des prodiges et des miracles, pensez-vous que Paul aurait monté dans leur estime orgueilleux comme ils étaient? Pensez-vous que ça n'aurait pas pogné? Hey! On a vu juste qu'est-ce que le don des langues a fait dans l'église de Corinthe. Ça les a rendus tellement orgueilleux qu'il s'est créé deux classes de chrétiens, les spirituels et les autres. Et l'apôtre Paul leur dit, si vous réfléchissez bien, la faiblesse de Dieu vous a gagné. La faiblesse de Dieu vous a montré. Et maintenant, votre foi est fondée sur Dieu. Voyez-vous l'argument de l'apôtre Paul? Folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est sagesse et puissance de Dieu. Dieu a choisi les choses folles de ce monde. À partir d'un évangile, d'une croix qui est regardée comme une chose folle, vous êtes des fous et moi, je suis un prédicateur aussi faible que les autres. Et vous croyez en Dieu. Expliquez ça. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul va faire en disant, nous avons la pensée de Christ. Eux ne l'ont pas. Il y a quelque chose dans la faiblesse. Dieu ne recherche pas des prédicateurs à tout casser. Dieu reconnaît et se cherche des gens qui sont simples et des gens qui reconnaissent leur faiblesse. Parce que c'est dans la faiblesse que la puissance de l'Esprit se révèle.
Et l'apôtre Paul, il dit, si quelqu'un est pour être faible, j'en suis parmi les premiers. Vous êtes des choses faibles, rejetées par ce monde, et moi, je suis un prédicateur de faiblesse, et vous vous êtes convertis dans la faiblesse, et par un évangile considéré comme étant faiblesse. Afin que votre foi soit fondée sur Dieu, sur la manifestation de sa puissance. Frères et sœurs, ça, il y a quelque chose dans ce texte-là qui fait appel à nous ce matin. Ça se pourrait-tu qu'on soit trop orgueilleux pour évangéliser? Qu'on soit trop orgueilleux et qu'on ait tellement peur de déranger? Ou qu'on se considère tellement qu'on se prive de la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste dans la faiblesse. Ce que je veux dire par cela, c'est qu'il ne faut pas connaître toute la Bible pour être un vaisseau de Dieu. On n'a pas besoin de connaître toute la parole de Dieu puis d'avoir suivi un cours nécessairement pour être un vase de la puissance de Dieu. Il y aurait des textes que je pourrais citer où l'apôtre Paul démontre clairement dans la parole, si notre capacité, ce n'est pas notre capacité, mais notre capacité vient de Dieu. L'apôtre Paul va dire jusqu'à dire, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est écoutez, on est juste de la chair et des os, ça prend juste un petit coup pour nous tuer, on est tellement faible et tellement petit, et pourtant Dieu a choisi de faire passer son évangile à travers des êtres faibles, aussi faibles. Pour être les témoins de Dieu, on n'a pas besoin d'avoir appris 56 versets, simplement raconter aux gens ce que Dieu nous a fait. Juste ça, c'est suffisant. La puissance de Dieu ne se sert pas de super-héros. Voyez-vous, le grand danger pour nous, là, c'est de regarder les cinq ministères et de dire un ici, un et ça, un ici, un et ça. Bon, ben moi, je ne suis pas ça, donc je ne fais rien. Ce n'est pas une conclusion à tirer. On est tous une gang de faibles sauvés. Nous sommes tous des gens potentiellement capables de devenir la révélation de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Ne négligez pas ce que vous êtes en Christ. Nous, on aime beaucoup les termes « on est fils de Dieu, on est roi, on est reine, on a un héritage », puis on met l'emphase sur « oh, qui est beau, qui est fin, qui est gentil ». Puis dans le fond, tant qu'on va être sur cette terre, on va toujours décevoir les autres. On va toujours se décevoir soi-même. On va toujours avoir peur à une faiblesse. Mais laissez-moi terminer en disant ceci. Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance s'accomplit. Alors, faisons fi de toutes nos peurs et de notre orgueil. Demandons à Dieu, ce matin, en tant qu'Église, d'utiliser notre faiblesse. Je ne sais pas si vous réalisez ce matin. Regardez autour de vous. On est tous en train de devenir une gang de petits vieux. Regardez. Faites le tour. Mais savez-vous ce que Dieu peut faire avec une gang de petits vieux mobilisés pour la cause du royaume? Regardez notre bâtisse. Est-ce qu'elle est attrayante? Mais dans le temps du Seigneur Jésus, ça se ramassait d'un cimetière, d'un catacombe, et ça se convertissait. Il faut s'enlever les idées des critères du monde qui nous empêcheraient d'avancer le royaume de Dieu. Un autre critère qu'il faut se débarrasser, maintenant je suis à la retraite, je laisse ça aux autres. Un critère du monde, jamais le royaume de Dieu sera dans les mains de quelqu'un d'autre que toi et moi. Jamais. Enlevons un autre critère du monde qui nous dise qu'on s'est formé, comment est-ce qu'on appellerait ça? Une clique de professionnels.
une clique de professionnels où les petits gens assis d'un banc font ce que ceux qui sont en avant disent seulement. Chacun d'entre vous peut être utilisé au centuple par Dieu. Centuple. Tout ce qu'il nous faut, frères et sœurs, c'est comme l'apôtre Paul nous dit, « J'ai rien voulu savoir autre chose que Jésus, Jésus-Christ crucifié, rien vouloir savoir d'autre, et de laisser Dieu se servir de notre faiblesse pour manifester sa puissance. » C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens. Vous êtes aveugles, vous ne réalisez pas. Vous faites partie de la faiblesse de Dieu qui est la puissance de Dieu. Et vous voulez du monde qui contredise la puissance de Dieu. Frères et sœurs, que notre assemblée réalise que dans notre faiblesse, nous sommes les porteurs d'une puissance à cause d'une présence à l'intérieur de nous ce matin. Et moi, je crois à cette présence. Et je vais aller plus loin que ça. Même si des fois, je m'engage dans l'auto-critique de ma personne parce que je ne rencontre même pas mes propres standards. J'arrive à m'asseoir et à croire comme Paul. Seigneur, j'ai beau faire les pieds et des mains. J'arrive pas à autre chose que ce que je suis. Mais si tu es prêt à prendre ce que je suis, moi, je suis prêt à me laisser prendre. Êtes-vous prêt ce matin à vous laisser prendre par Dieu? À ne pas laisser votre faiblesse devenir une honte, mais à laisser votre faiblesse devenir le tremplin de l'expression de la puissance de Dieu. C'est ce que Paul nous demande ce matin. Prenez le temps de penser, d'assimiler cette vérité. Lorsque je suis faible, je suis fort. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu se réalise dans la faiblesse. Ou dans la faiblesse, je réalise ma puissance, ou s'accomplit ma puissance. Alors, je ne suis pas fort, lui l'est. Je ne suis pas puissant, lui l'est. Recevez-vous cette vérité ce matin? La recevez-vous? La recevez-vous par la foi? L'acceptez-vous? Parce que si on est pour produire des changements, ça ne sera pas à partir de notre compte de banque parce qu'il n'est pas gros. Ça ne sera pas à partir de la bâtisse parce que c'est pas si puissant que ça, une bâtisse. Ça se jette à terre, ça se rebâtit et ça se rejette à terre. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a rien de plus puissant qu'un cœur faible entre les mains de Dieu. Alors prenez le temps de réfléchir à cette vérité ce matin. Nous avons vraiment besoin de reconnaître que toutes les faiblesses que nous avons en tant qu'assemblée ne sont pas des handicaps, mais des opportunités de voir la puissance de Dieu se révéler. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, regarde-nous ce matin. Nous avons tellement besoin de toi. Tellement besoin de réaliser la puissance que nous avons en Dieu, Seigneur. Et de ne pas choisir comme le monde, de s'arrêter à nos corps fragiles, maladifs. De ne pas s'arrêter aller aux choses qu'on n'a pas et qu'on voudrait avoir. De ne pas s'arrêter, Seigneur, à des perceptions négatives et auto-subjective de ce que nous sommes, Seigneur, de ne pas s'arrêter sur des talents que nous n'avons pas, mais de reconnaître, Seigneur, qu'entre tes mains, ce que nous sommes peut devenir du centuple, Seigneur. Que nos cœurs, Seigneur, si faibles, si tordus parfois, peuvent devenir, Seigneur, la scène des plus grandes vérités et de la plus grande puissance de Dieu, Seigneur, dans la vie de ceux qui nous entourent. Aide-nous à reconnaître, Seigneur, que l'état actuel du Québec, Seigneur, même s'ils sont en train de jeter l'Évangile, Seigneur, à l'écart et d'évacuer la présence de Dieu, Seigneur, tant qu'on sera ici, nous, dans le Québec,
nous restons une source de puissance de Dieu, même si petits nous sommes, Seigneur. Ô Dieu, fais quelque chose à travers notre faiblesse ce matin. Guéris nos corps, Seigneur. Guéris nos orgueils, Seigneur, de manière à ce qu'on soit humble devant toi pour recevoir les choses que tu veux nous donner. Guéris-nous, Seigneur, d'être cupides, de vouloir en avoir tellement, Seigneur, qu'on y place notre sécurité. Accorde-nous la grâce de rejeter tous les standards du monde, Seigneur, qui ferait que parce qu'on porte telle chose ou qu'on est peigné de telle manière, Seigneur, ça fait de nous des êtres plus importants. Conduis-nous dans les voies de l'humilité, Seigneur, de telle manière qu'on ne tombe pas dans le péché des Corinthiens. Si tu nous accordes la popularité, Seigneur, et que tu nous accordes, Seigneur, la possibilité de devenir une grande église, même là, Seigneur, garde-nous proches de notre faiblesse. Parce que ta grâce est suffisante, et c'est dans la faiblesse que ta puissance s'accomplit. Protège-nous, Seigneur, de nous croire forts. Garde-nous sensibles, sensibles, Seigneur, à ce que tu as l'intention de faire à travers nous. Et plie nos volontés pour que nous disions toujours oui à l'Esprit, mais à lui seul, Seigneur. Que ta parole reste notre lampe, notre guide. Accorde-nous, Seigneur, de ne pas prendre les armes du monde pour apporter le royaume de Dieu, mais de prendre les armes de l'Esprit pour apporter le royaume de Dieu. Que ton nom, Jésus, soit béni, béni, béni par-dessus toute autre chose, et garde-nous proches de toi. Dans le précieux nom de Jésus. Amen.